l'honnêteté maléfique du continent au nom d'un vécu absurde. Pourtant, avec le temps, les fleurs ont fané partout. Les fleurs gigantesques percées la tuile suprême, sa civilisation énigmatique s'insurge farouchement contre toute exaction. Quand le réveillon du jour planait sur les esprits, clopine de belles paroles, jaillissant des propos prometteurs civilisés. Hélas, le tout toujours dans une bouteille de vin empoisonnée qui fait endormir les restes. C'est odieux et insoutenable que les siècles ne fassent pas égurgiter l'histoire. Pour passer à un autre, Dounia. Après des décennies passées à voyager et à étudier la vie des autres, jamais je n'ai fini de connaître Dounia. Chaque jour qui passe m'apporte une nouvelle leçon de vie. Chaque heure de voyage ou d'étude me passionne profondément. Par moments, je m'interroge sur mon devenir. Pourquoi Dounia? Mais pourquoi toute cette fatalité? Dounia vacille selon le soleil des continents. Dounia, je me dois de ne jamais tomber dans une erreur humaine. Je me dois de corriger mes lacunes personnelles, bien que mon âme soit conçue d'une imperfection immortelle. Je vous remercie.